Salut à tous, fidèles auditeurs de la chaîne panafricaine IRE Info. Que la paix soit sur vous une fois le plus en cette nouvelle journée. Alors, chers auditeurs, que le capitaine Ibrahim Traoré a effectué une visite officielle du côté du Mali il y a de cela quelques semaines seulement. Voici alors, chers auditeurs, que selon plusieurs informations qui nous sont parvenues, le capitaine Ibrahim Traoré aurait envoyé plusieurs agents du gouvernement burkinabé afin que ceux-ci puissent conclure des accords militaires avec la Russie. Car, chers auditeurs, le capitaine Ibrahim Traoré aurait enfin décidé d'écouter le peuple burkinabé qui le réclame depuis lors de signer des accords militaires avec la Russie dans le but de mettre fin au terrorisme qui règne au Burkina Faso et également dans tout le Sahel. Car les Burkinabés sont convaincus, chers auditeurs, que si la Russie met les pieds du côté du Burkina Faso, les terroristes pourront avoir un grand coup et également le Burkina Faso pourra retrouver toute sa souveraineté et les villes occupées par les terroristes reviendront du côté de l'armée et de la population. C'est donc la raison pour laquelle, chers auditeurs, les populations du Burkina Faso encouragent donc le capitaine Ibrahim Traoré dans cette lancée, à savoir la signature des accords militaires avec la Russie. Et selon plusieurs sources, chers auditeurs, c'est le colonel Assimi Goïta, suite à la visite de son homologue burkinabé, qui aurait conseillé à celui-ci de signer des accords militaires avec la Russie. Car tout le monde a vu comment, dès que les Russes se sont posés du côté du Mali, la situation a nettement changé. Et d'après les dernières nouvelles qui nous ont parvenues du côté du Mali, plus de 900 têtes de bétail ont été récupérées entre les mains des terroristes et ont été retournées à leurs propriétaires. Car, chers auditeurs, suite à la montée en puissance des FAMA, les terroristes ont pris un sacré coup grâce aux supplétifs russes qui sont là pour former l'armée malienne. Les Burkinabés veulent donc, chers auditeurs, que la même situation qui se passe du côté du Mali se reproduise aussi du côté du Burkina Faso. C'est donc la raison pour laquelle, chers auditeurs, tous les Burkinabés apportent désormais leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Chers auditeurs, nous allons patienter donc pour voir dans la semaine à venir si l'accord entre le Burkina Faso et la Russie sera donc effectif. Nous vous invitons cependant à rester connectés sur IRE Info, votre chaîne panafricaine de l'actualité et de l'information. Donnons cependant rendez-vous très prochainement à une nouvelle vidéo pour un nouveau sujet. D'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Bye bye.